vernir un bois, il est nécessaire de le nourrir. Pour cela, il va falloir nettoyer votre bois, que ce soit du parquet ou un meuble ou des étagères. Bien le nettoyer, le poncer et ensuite le libérer de toute poussière. Alors, l'entretenir et le nourrir, c'est simple. Trois produits qui se trouvent très facilement dans le commerce. De l'essence térébenthine, de l'huile de lin et du cicatif en petits flacons. Les proportions sont 50% huile de lin, 50% essence térébenthine. Pour 1 litre de chaque, prévoir une cuillère à soupe uniquement de cicatif. Son rôle est d'accélérer le séchage. Alors, dans un petit récipient, tout dépend des proportions. Ici, un petit récipient comme celui-ci, je vais utiliser un pinceau à poils souple et un pinceau propre. Je vais utiliser une petite dosette et je vais donc mettre 50% d'huile de lin, donc une dosette entière d'huile de lin. Voilà, je vais ajouter donc l'essence térébenthine. Comme ceci. Et pour ces proportions, je vais mettre juste deux petites gouttes de cicatif. Comme ceci. Je mélange de manière à obtenir une couleur unie. Donc là, les quantités sont faibles, ça va aller assez vite. Et je vais donc pouvoir nourrir mon bois, donc appliquer le mélange de façon généreuse sur le bois à nourrir, comme ceci. Alors, inutile de prévoir une seconde couche, une seule couche généreuse suffit et attendre 24 à 48 heures avant de penser à traiter votre bois, cette fois-ci par un vernis ou autre.